Oui, super. C'est parfait. Montée à contre-temps. Après un retour. Ah oui, quel retour. Oui, bloqué. Superbe, ah oui. Superbe. Bien coupé la trajectoire. Ouais, c'est prise. Somptueux, oui, somptueux de la part de Justine. Ouais, attention c'est... de ne pas jouer trop court. Absolument parfait de la part de la Belge. Magnifique, magnifique. Remontée au filet depuis le début de la rencontre. Oui, bien attaqué. Oui, parfait. C'est bien, elle s'en sort bien là sur cette attaque, la Française. Elle a eu un très bon jeu de service, bonne qualité de première. Ouais, c'est bien fait. Ah, d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. Le quelle coup pureté. Le plus fort. Chez la Française. Ah oui, c'est parfait. Oui. Prise de balle très tôt. Oui. Ah oui, magnifique. Au moment où la... Superbe, superbe de la part de Justine. Ah oui, beaucoup d'intensité pour sauver ses balles de 7. Adversaire. Oui. Cette fois-ci, elle ne se laisse pas avoir, Justine Hénin. Et elle a... de Justine. Oui, oui, oui. Oui, c'est bien fait. Magnifique. C'est surtout très bien retourné. Ça dit que... Rien à dire, c'est tellement bien joué, bien exécuté par Justine. Oh, quel point, quel volée! Oui, on ne pouvait être plus précis. 4 balles de 7 écartées par Justine Hénin qui égalise à... vers les siens. Oui. Oui. Amorti qui n'a pas été très bien touché. Il... Oui, c'est magnifique. Superbe, un point partout.
Oui. Ah, c'est superbe, splendide de la part de Justine Hénard. Avec... Oui, sur un ace pour conclure. Première manche largement méritée, je dirais, pour Amélie qui avait obtenu 4 balles de 7. Ouh là là. Petit miracle, hein, petit miracle parce qu'elle a... Et oui, c'est quasiment une évidence. Hein. On parlait au premier set du... C'est oui, super, super volé. Oui, la première volée est un modèle du genre. Ah oui, c'est magnifique. Ah, balle annonce. Non, 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 je crois qu'elle est bonne, oui. Elle est bonne. Oui, oui, extraordinaire. Le long de ligne aurait sans doute été plus... Ah oui, ça c'est magnifique. Ah oui. Beaucoup d'ajustements pour trouver l'efficacité. Si. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a de la place. Pourtant, on ne peut pas dire que Justine ait élevé son niveau de jeu. Ouais, elle est belle cette volée. Oui. Le deuxième gagnant, tout à l'heure. Oui, ça c'est parfait, bien traversé sur chaque frappe de balle, que ça soit en revers. Ah oui, magnifique. Oui, et un échange qui va laisser des traces, 30 partout, attention à... Et oui, retour magnifique de Justine. Break réussi par la Belge. Disait qu'elle était... Oui, c'est splendide. Bonne utilité. Dans l'échange. La ouais, première parfait. Est écartée. Et chez Amélie, c'est un très bon jeu de service de Justine qui, fort logiquement, remporte ce deuxième set et égalise. Ah, magnifique. Oh, oui. Bien coupé la trajectoire de la balle, restée à l'intérieur du terrain. Magnifique. Ok.
qu'il a temporisé sur ça. Parfait, Amélie, bien tenu, notamment sur la première volée, magnifique. Oui, splendide, splendide. Il y a bien longtemps qu'elle n'avait pas aligné comme cela Justine en longue ligne. Oui, et énorme point. Avec une volée. Super. Oui. Beaucoup plus relâchée, elle ne force pas sur ses frappes. Et oui, ah oui, c'est bien fait. Le long de ligne eût été plus judicieux pour Justine. Oui, parce qu'Amélie... Oui. Beaucoup d'applications. Oui, elle est splendide, intense. Splendide. Et il y a si longtemps qu'elle n'est pas venue côté coup droit dans la trajectoire. Oui, c'est parfait. Troisième balle de match. Ouais, super. Victoire en trois manches pour Amélie Mauresmo, le score 7-6, 3-6, 6-3, sa joie qui éclate, victoire méritée pour Amélie face à celle qui a accompli une saison 2003 extraordinaire, Justine Hénarden, qui était venue ici pour gagner ce Masters et qui s'incline face à la Française qui aura accompli une partie.